Basé dans la commune de Kiremba, en province de Ngozi, le camp des réfugiés de Musasa abrite pour le moment 8521 réfugiés congolais répartis dans 1455 familles, y compris 88 demandeurs d'asile. Ils disent vivre un calvaire, insuffisance de vivres et d'autres matériels de première nécessité. Pour ce mois, on nous a donné 3 kilos de riz et une petite somme de 22 000 francs bouts pour acheter de la farine et son accompagnement, pour acheter aussi des chaussures et des habits des enfants. Cela ne peut pas être suffisant. Le camp de Kinahama n'est pas épargné. Installé sur la colline Kinahama en commune Gasogwe de la province Muyinga depuis 2002, ce camp compte plus de 7 000 réfugiés. À l'instar du camp de Musasa Ngozi, des réfugiés dans ce camp tirent la sonnette d'alarme suite à leurs conditions de vie précaires. La nourriture est insuffisante. C'est sans huile et sans sel. Pas de farine et pas d'haricots. On nous donne 1 kilo de petits pois et on les donne tout au début du mois, juste le 7. Nous vivons dans la précarité. Nous arrivons où certains ramassent des bidons pour les vendre à 200 francs bouts. Les enfants souffrent. Dans ces deux camps, les réfugiés font des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Ils font des activités artistiques, de la vannerie, du tissage, de la fabrication du savon et autres. Le représentant du ACR dans la région nord, Hussein Abdallah, reconnaît l'insuffisance des vivres. Il explique que le ACR a un budget limité, raison pour laquelle il est difficile d'approvisionner les réfugiés en quantité suffisante. Il n'y a pas moyen de les rendre suffisants que par le livelihood. Si on ne crée pas quelque chose, mais ils vont rester attendre les aides humanitaires, vous comprenez qu'actuellement il y a plusieurs crises dans le monde et notre budget ça descend comme ça. Donc tous les humanitaires ont des budgets qui sont même divisés en deux. Au fil du temps, ces budgets-là vont disparaître. Alors, il est temps pour nous de déployer tous nos efforts pour rendre les réfugiés indépendants. C'est pour ça que vous voyez, on a créé des usines de savonnerie, on a essayé de faire le jardinage, parce qu'on n'a pas assez de terrain pour faire l'agriculture intense. Donc, on cherche par tous les moyens à les rendre indépendants eux-mêmes. Le Burundi compte plus de 50 000 réfugiés et des Congolais en grande partie.